Alors, filtre habitat sur un grand C4 Picasso. Donc ça se passe côté passager. Va d'abord falloir retirer la lampe avec un petit tournevis en appuyant sur le côté de ce système-là. Voilà, on défera la petite fiche ici. Ensuite, une vis Torx T20. Un écrou plastique à desserrer. Et ici en dessous, 1, 2, 3, 3 clips. Clips à déclipser. Pour déclipser l'ampoule, c'est le principe. Il suffit d'appuyer là-dessus, hop, tout simplement là-dessus, appuyer et sortir. Donc au fond, la petite vis là, qui était sur le côté, au fond, c'est une T15, c'est pas une T20. L'écran qui se trouvait là. Ça c'est facile à défaire, et les trois clips qui se trouvaient donc en haut, il faut sortir cette petite partie là au milieu et ensuite tirer, ça vient du sol. Il n'y a plus qu'à tirer sur le cache, hop, et ça vient du sol. Ça va nous donner au filtre qu'il faut se trouver là-bas. Donc il s'agit de la petite trappe noire. Il va falloir tirer cette petite languette du bas pour sortir la trappe pour céder au filtre. Donc elle se trouve en dessous là-bas, donc c'est la trappe noire. Alors là c'est la trappe, donc vous savez facilement, elle est coincée en haut. Donc à partir du moment où vous tirez en bas, elle vient toute seule pour ressortir comme ça. Donc, on va pouvoir accéder aux filtres là, qui sont en attente. Donc il n'y a qu'à tirer dessus pour les sortir et mettre à la place les nouveaux. Donc voilà les deux filtres de sortie. Sur le premier, on sort d'abord celui du haut et ensuite on finit par réussir à sortir celui du bas. Attention au sens des flèches, l'avant du véhicule est là, l'arrière est là, donc les flèches sont de l'avant vers l'arrière. Donc on compare les filtres et on remet les plats, les nouveaux exactement à la même place. Voilà, donc référence des nouveaux filtres pour info. Pour le premier filtre glissé, on fera bien attention de laisser la languette en haut. Donc il va être glissé dans ce sens-là et donc la languette en haut. Donc les deux filtres sont en place. Maintenant, le système consiste à remboîter le couvercle d'abord en haut et ensuite pousser en bas. Pour ne pas oublier de sortir le petit fil pour enclipser la lumière. Ici, il existe un petit clip qu'on peut repousser dès le départ. Moi, en premier, après, j'ai mis celui-là. Il y avait un petit clip ici qui était cassé déjà chez moi. Et il y en avait un là aussi. Et donc, les trois ensuite en dessous. Et donc, là, il ne me reste plus qu'à remettre la lumière.